Et lui les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog x103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Battle Chasers Night Wars. Night Wars, à chaque fois j'ai l'impression de mettre un S à la fin. Donc sur PC, un jeu qui m'a été offert par Iron Bobby, c'est reparti pour un tour. Mignon. Allez hop, c'est parti, on va voir ce qu'il nous cache ici. Le livre des secrets. Un écriteau exécuté avec soin et suspendu sur une gargouille bien huilée. Sur la porte, il indique sortie déjeuner. Arracher l'écriteau et le jeter par terre pour dans la poussière. Partir. On va aller voir ça. La porte menant à cette cabane de forme étrange est fermée à clé. De nombreux bruits de bricolage retentissent à l'intérieur. On va frapper. Les bruits de bricolage continuent, mais personne ne répond. D'accord. On insiste ou pas? Non, c'est pas avec des morceaux d'Iron Bobby, juste la thune d'Iron Bobby, effectivement. Ce sera après pour les morceaux d'Iron Bobby. Hey, bonjour. Vous savez, il me fait penser ce mec. Il aurait été blond, il m'aurait fait penser à comment il s'appelle. Armstrong dans Fullmetal Alchemist. Vendre des objets. Où sommes-nous? Vous n'avez pas vu l'enseigne en arrivant? Vous êtes dans la ville de Malhamo. Ne vous inquiétez pas, elle ne porte pas particulièrement bien son nom. C'est un soulagement. Quelle est cette taverne? Aux voyageurs éventrés. Qu'est-ce qu'il vous faut? Asseyez-vous. J'ai fait qu'il y ait plusieurs onglets. Ah mais j'ai 135 de pognon, dis donc. Faudra que je regarde ce que j'ai dans mon équipement. Entrez. Par où on peut? Ça vaut que 4. Je sais pas si ça vaut le coup de les vendre ces machins là. Le mari du maître dans FMA. Ça ne dit plus rien. Ah si, ça y est, je vois. Ah oui, maintenant que tu le dis. Mais il avait pas une barbe, lui. C'est vrai que ça pouvait y ressembler, mais il manque la barbe. Moi, la moustache, je me fais plus penser à Armstrong, pour le coup. Quoique. Faudrait que je vois, j'ai l'impression que ça fait des plombes que je l'ai pas vu. Pour l'instant, j'ai essayé de ne rien revendre. Entrez. Des bons remontants et des gens sympathiques, voilà ce que vous trouverez ici. Une petite fin. Faites attention. Merci. Alors, l'eau de porte en fer, la fournaise brûlante et la pléthore d'outils éparpillés dans l'atelier vous apprennent qu'il s'agit d'un atelier de forgeron. Vous êtes le forgeron du village? Oui, il va ressembler. Oui. Oh, cette classe. Rambird. Vous êtes qui, vous? Le Père Noël. C'est une manière plutôt grossière de saluer des étrangers. Mais tu réponds pas ça. Si t'apprécies pas, tu te tais et tu laisses faire les choses. Oh, si vous êtes des étrangers, vous savez pas à quel point la vie est dure ici. J'imagine qu'on ne va pas tarder à le découvrir. Oui. Faut avoir la peau épaisse pour survivre sur une île maudite comme celle-ci. Alors pourquoi maudite? Et mieux vaut avoir un marteau lourd aussi. Et à propos d'île maudite, comment vous vous êtes retrouvés ici, vous autres? Nous sommes arrivés à bord d'un dirigeable. Alors qu'on approchait de l'île, des pirates nous ont tendu une embuscade. Moi, je trouve toutes les deux bonnes, les séries. Que ce soit Fullmetal Alchemist ou la première version de Fullmetal Alchemist. Ça, c'est bien possible. Mais c'est pas vraiment des pirates, comme vous dites. Ce sont des bandits, rien de plus. J'aurais pas trop envie de me le refaire du coup, Fullmetal. La première version. Une horde de brutes et de grandes gueules. Mais ces derniers temps, ils nous emmerdent sacrément. On va aller voir. Ces bandits, pour qui travaillent-ils?
Bah, vu que ce sont des bandits, la plupart du temps pour eux. C'est un peu raciste. Chut. Mais depuis quelques lunes, ils se comportent pas comme d'habitude. Ah ah, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont moins distraits, mieux organisés. Ah ah. Ça inquiète un peu ceux qui sont restés ici. Nous avons été séparés de nos amis pendant la bataille. Nous pensons qu'ils les ont peut-être capturés, ou que les bandits savent où ils sont. Nous aimerions discuter un peu avec eux. Ah, discuter. Quelques mauviettes sont venus nous chercher des ennuis hier à l'aube. Je les ai poursuivis. Ils ont filé par la route vers le sud. Vous pouvez toujours aller voir de ce côté-là, si vous pensez retrouver vos amis. Si nous ne les retrouvons pas, les bandits le regretteront. Ne perdez pas espoir. Ces crapules doivent avoir établi un campement quelque part de ce côté-là. Oui, bienvenue. Merci. Alors, vous évitez les routes du sud ? On s'y retrouvera tôt ou tard, comme vous le dites. Vous interrompez mon travail, que vos lames restent affûtées. J'ai... L'autre, il est toujours un point d'exclamation, donc écoutez... Que signifie tout ceci ? Oh grand Dieu, un golem de guerre, c'est presque assez fascinant pour justifier que je vous consacre du temps. Vous exigez de vos visiteurs qu'ils soient fascinants ? Oui, maintenant, veuillez cesser de frapper, allez-vous-en. Et je compte sur vous pour effacer les traces que vous avez laissées sur ma superbe entrée antique. Les portes se referment sèchement. Bon, on va aller au sud. Ils disent, allez au sud ! Dit qu'il est forgeron, mais ça se trouve, il est tailleur de pierre et personne ne le laisse s'exprimer parce qu'il ressemble à un nain et personne respecte les nains. Pourquoi il y a marqué Adrien juste en dessous de nain ? Il y a quoi par là ? Oulala, oulala. À mon avis, cette icône, ça veut dire non, ne t'y attaque pas tout de suite, ça va faire bobo. Du coup, voilà, au moins on est prévenu. Bonjour. Ouh, il y a du monde. Oh là là, il y a du monde. Après, c'est... Est-ce qu'on peut essayer d'éliminer celui-ci avant ? Oui, j'arriverai pas à l'éliminer. Voilà, comme ça en plus je bloque son attaque. Attaquer. Voilà, on va éliminer celui-ci. Voilà, comme ça, ça en fait au moins un en moins. Ils font mal quand même, hein. Lui, c'est fait. Ensuite, quel est le prochain à attaquer? Là, j'ai les trois personnages, donc la logique serait peut-être d'attaquer elle d'abord. Si je peux avoir les trois en même temps, ce serait cool. Yes, parfait. Elle est la plus... Eh, du coup, j'ai appris des nouveaux trucs, là. Ça, c'est quoi? Inflige 29 dégâts à une cible. Ouais, mais non, mais de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Puisqu'il va falloir le retaper après. Et là, c'est bon, je l'achève. Pas besoin de se poser des questions. Il est mort.
Je vais prendre un truc à unité des salles en même temps parce que. Au bout d'un moment, ça donne faim. Allez! Brin de laine grossière, pièce ordinaire, sani de fange simple, soie de navette. Merci pour les encouragements, Mirage. Il y a une route safe et une route pas safe. Qu'est-ce qu'on fait? Route pas safe. Dommage. À peine plus et je l'avais. Non, pas toi. Toi. Et voilà. Ça c'est fait. Suivant. C'est 57 de santé. Ça pique. Voilà qui est fait. Et suivant. Et voilà. Quelle idée, Yami. Bon, tu restes quand même plus grande qu'un de mes potes, je crois. Je connais pas Bluebeard. Alors, un petit peu plus d'XP, pièce ordinaire, soin de navette. Combat. Ah, ceux qui commencent. Tu as déjà perdu. Eh, mais c'est une grosse triche, ça. Bon, on va essayer d'en éliminer au moins un, si possible. Studio. Je crois que j'en arriverai pas à l'éliminer le premier coup. Quoique... Normalement, je tue. Yes. Meurs. Des dégâts critiques. Suivant. Heureux suivant. Et voilà. Par là-bas. Du coup, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là. C'est ouvert, c'est fermé, c'est quoi? Une imposante porte se dresse devant vous, entourée de ruines incrustées de mousse. Au-delà de la porte, vous distinguez un marais d'étonnant. Oula. Oula. C'est super joli encore une fois, mais... Où vais-je? Dans quelle étagère? Cette porte est sacrément grande. Qu'est-ce qu'ils essaient d'empêcher d'entrer? Ou de sortir? En tous les cas, je doute qu'on arrive à l'ouvrir. Du moins pour l'instant. Ouais, t'as peut-être raison. L'ambiance est bonne. Et quand l'ambiance est bonne, 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 bonne. Vous avez quelques pièces dans le puits et entendez un grand bruit d'éclat dessus. Appuyez des profondeurs du puits, une voix gronde. Des pièces dans un puits? Sérieusement? Et vous croyez aussi au conte de fées? Si vous voulez vraiment en donner quelque chose qui compte, essayez d'augmenter un peu la mise.
J'ai pas 500 pièces. C'est arnaque. Plus 17. Donc il y aurait quelqu'un qui vit au fond du puits. On trouve déjà petit avec 1m75. C'est plutôt correct 1m75, il me semble. Donc quelle étagère? Rembourser. Ouais, exactement. Non mais c'est quoi cette arnaque? Moi qui aime pas les jeux en vue de dessus comme ça, je le trouve particulièrement joli quand même. Lame feuille, machin chose. Ah, on va venir, il va falloir du pognon après ça. Hein. Bon, est-ce que j'aurais éventuellement raté quelque chose? Là, faut faire un sacrifice, on est d'accord. Hein. Mais je veux dire, il doit falloir un temps fou pour réussir à faire un design comme ça. Enfin, quoique... peut-être pas tant que ça, en fait. Mais je trouve que c'est propre. Bon, comment on fait pour ouvrir ce machin? Il s'ouvre pas, là? Sésame, ouvre-toi! Non? T'as pas envie? Sésame! Bon, bah non, apparemment, y a pas la possibilité. J'ai oublié que je peux changer de personnage. Je sais pas quelle est son attaque précise, personnelle. Et un peu de respect pour les girafes. On va quitter l'endroit parce que je vois pas ce qu'il faut que je fasse pour l'instant. On va devoir continuer tout simplement à avancer dans le... Ça se trouve, une fois qu'on aura fait la mission, il y a un garde qui va arriver et qui va faire... Ouais, voici la clé de la porte. Voilà. Le monde a l'air grand, hein. La longuité de la bestiole. Oh, elle est toute seule. Ah mince, j'ai fait le con. Je voulais essayer de la vaincre, mais... Ah, le quiche. Ouais, ça va, ça a rien utilisé. Tranquille, c'est bon. C'est gentil, Gorgul. Bonne nuit à toi, fait de bref. Enfin, bonne nuit. Bon travail, en fait, parce que... Voilà, mais à la prochaine, et merci beaucoup de passer, ça fait plaisir encore une fois. Peut-être à tout à l'heure. Sur ton live. Ouais, d'abord tu l'as. Aïe, bon mort. Je n'apprécie pas cette violence, pas tout le temps. Ouais, on l'a déjà vu plein de fois. Ah, ah ah. Les chauves-souris des ruines. Et voilà, il n'y a plus. C'est vrai, Bluebeard. Il va falloir quitter l'Alsace alors. Allez, allons visiter ça. Mais regardez-moi la classe cette image. C'est tout simplement magnifique. Des barricades au milieu d'une forêt. Quelqu'un est ici. Oui, nous devrions être vigilants. Ou pas. Non, on fonce en temps, on tue tout le monde et puis voilà, c'est réglé, non? Moi, ça me semble être une technique absolument merveilleuse. Ah, y'a le thé qui chauffe. Bon, est-ce que je peux piquer du thé? Un campon de quelqu'un était ici récemment. Cette puanteur est fraîche en tout cas. Le bandit Grimbird est parti. Embuscade!
Soyez maudits. Ah ouais, là, comme ça. Comme ça. Qu'est-ce que... Mais t'es quoi, toi? Vous allez quelque part? T'es transparent? Pourquoi t'es transparent? On va tenter notre chance. Alors, il s'appelle Vok le Messager. Bon, j'ai le temps de me frotter les yeux parce que, vu que le jeu avance pas tout seul, dans les combats... Ouah, ça pique. Alors... On va commencer par un petit coup au ventre... Ah, je peux pas attaquer l'autre pour l'instant. J'ai quoi? Un fusil de à tous les filles. Ah! Ça pique comme je vous le disais. La fatigue. J'espère vraiment que dans les jours qui viennent, je vais pouvoir réussir à aller me coucher plus tôt et faire une belle grosse sieste. Une princesse. Ah là là. Lame de guerre consomme jusqu'à 40 surpuissance qui inflige 44 dégâts et ajoutant 0,2 aux dégâts. Ça sert à rien en fait, on va l'affronter tout simplement. Hein. Ça fait 25 de dégâts quand même hein, son truc. Ça pique un petit peu. Voilà, touché. Ça pique! Il faudrait pas que je fasse ça parce que ça doit réveiller tout le monde dans les meubles. J'hésite. Ça pique hein, quand même. Voilà, j'y retourne, monsieur, à récupérer du soin. Lance attaque du scorpion. Faut que je soigne maintenant mon autre Gugus. Et pour soigner mon autre Gugus. Là-dessus. Ça en fait des points de vie, ça, monsieur. Compétence. Oh mais... T'es embêtant comme véhicule. Voilà, ça tu vas le regretter si tu le dis. Kaboum. Mais je me suis pas soigné de beaucoup là quand même. Hein. J'ai 20 points. Dommage. Non! C'était pas ça que je voulais faire, je le trompe de personnage à chaque fois. Ah mais si, là, c'est celui-ci maintenant qui joue. Tout le monde hein. Parce que c'est pas joli joli quand même. Alors monsieur, on fait moins le malin hein, quand on meurt. Oh Bobby, comment ça va monsieur Bobby? T'as adoré le jeu, que t'as d'ailleurs pas fini. En fait, aucun de vous ne l'a fini le jeu pour l'instant, c'est rigolo. Que les compétences qui prennent souvent trop de temps à s'effectuer. C'est ça, ouais. Pour l'instant, c'est un peu l'effet que ça me fait.
Mais bon, je teste, hein, j'essaie de voir petit à petit quelle sera ma façon de jouer. Le téléviseur veut s'éteindre, voilà. Déluge de feu débloqué, rempart percutant débloqué, vague de furie débloquée. Et on est monté de niveau pour chacun. Bah, nickel. C'est bon, ça. Le coupe-papier. Lettre sanglante. Ouh. Non. Il y a un sou, cette lettre qui transportait, elle doit être importante. Qu'est-ce qu'elle dit? Bla bla bla, Mr. Freeman. Non, difficile à dire. Les maculés de sang, je lis étranger. Ça doit être nous. Elle parle aussi d'un avant-poste. Le forgeron dans la ville saura peut-être ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout va devenir très compliqué? Ça, c'est fait. Tout le monde a récupéré sa vie, c'est génial. Moins intéressant apparemment ce que j'ai déjà. Les voilà tous. C'est quand même fichtrement classe. Hein. Merci Blobid. C'est vrai que ça pourrait être ça. Bien joué. J'ai dit que je voulais lire le document et je l'ai même pas fait. La lettre est barbouillée de sang. Ah, je peux rien faire avec. Les étrangers viennent d'arriver, trouver au repos du guerrier le fer, puis nous pourrons aller aux terres. Là, c'est l'épée que j'ai eue, ok. Est-ce que je peux... Non. Je peux pas activer la théière. C'est une honte. Rembourser, rembourse. Une veste renforcée de cuir. Plus 18. Alors, si j'ai eu plus 18, ça veut dire que... Attendez. Là, là. Équipement. Est-ce que c'est mieux? Je perds toujours en puissance d'attaque. On va quand même la mettre. Une fille, pas une femme? Oh. Quelle déception. Du coup, faut qu'on remonte tout là-haut. On va aller voir. Faut que j'arrive à atteindre le coffre là sur la gauche, mais ça sera peut-être pas pour tout de suite apparemment. Là on a vu qu'on avait des ennemis de folie sur la droite, on va éviter d'y aller. Hé hey, monsieur le nain! Vous revoilà. Et en un seul morceau, ou presque. Je crois que nous avons retrouvé le bandit que tu as chassé de la ville. Il avait en sa possession une lettre que nous sommes incapables de déchiffrer entièrement. D'accord, montrez-moi ça. Ils sont gentils quand même les gens. L'encre a l'air fraîche. Ça parle d'une arme ancienne. Autre chose? D'étrangers qui sont arrivés sur l'île. Ce qui pourrait... compliquer les choses. Des étrangers? Compliquer les choses? Ils parlent de nous? J'ai du mal à tout déchiffrer, mais ça cause de la forteresse de fer. Ça, j'en suis sûr. J'avais pas vu qu'il avait un bras mécanique, le Grimbird. Qu'est-ce que c'est? Et où se trouve-t-elle? C'est la plus puissante fortification militaire, au sud des terres enneigées. Elle est abandonnée depuis longtemps. Mais ces derniers temps, les bandits vont et viennent beaucoup de ce côté. Les cieux seuls savent pourquoi. C'est dommage, on voit qu'ils ont été obligés de refaire certains caractères qui n'existaient pas. Et du coup, il n'y a pas la bonne typo pour les accents. La porte au nord de la ville est verrouillée pour empêcher les gens d'aller s'égarer là-bas. Voici la clé. Vous m'avez l'air d'être du genre à pouvoir vous débrouiller, mais au cas où...
Je peux vous proposer de belles armes qui vous seront utiles si jamais votre discussion vire à la bagarre. D'autres personnes dans la ville vendent aussi des marchandises qui pourraient vous aider. Allez leur rendre visite. Vous trouverez peut-être quelque chose. S'ils répondent, quand vous frappez à leur porte, en tout cas. Oui, bienvenue. Vous améliorez quoi? J'ai pas assez de pièces. Alors, j'ai 162 pièces. Plus 12. Autant aller directement ici, on voit tout au moins. Qui renforce la constitution. Dégâts bonus, endurance 12. Ça pourrait être intéressant ça, mais ça coûte vite cher hein, tout ça. Waouh! Prennent de l'intérêt parce que les combats durent plus longtemps, je pense. Du coup, effectivement, t'as plus le temps d'utiliser tes combinaisons, enfin de monter une stratégie et d'agir. La forge pour les novices, ça sert à quoi? Explique comment raffiner le fer de la côte, les morceaux de peau et les brins de laine grossière, mais aussi comment fabriquer les objets de base nécessitant ces matériaux. Eh, ça me plaît bien. Là, j'ai plus assez de sous pour acheter autre chose, mais quoique. J'ai du travail. D'accord. Je sais pas si j'ai bien fait hein, dans cette histoire, mais utiliser. Lingot de fer durci de la côte, cuir du scie, anneau de bouclier en fer renforcé de la côte, tranche pierre. Intéressant ça. Ok, on a une petite queue, d'accord. Et qui aurait besoin de voir ses dégâts augmenter? Lui, j'augmenterais bien ses dégâts, donc équipement, anneau, dégâts bonus, endurance, histoire qu'il soit un peu plus violent. C'est vrai qu'il est fort, 100. Voilà, 180, 120. Ça me semble un peu plus appréciable. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu aussi dans ça? Tranche pierre. Il me faut 3 lingots de fer. Il me manque des trucs. Plutôt intéressant. Champignon forestier, mana condensé diffus. On verra ça après. Du coup, faut parler à lui. J'ai entendu dire que vous aventurez au-delà de la porte nord. Peut-être êtes-vous moins ennuyeux que je ne le pensais. Prenez cette fiole, elle révélera immédiatement toute personne tombée au combat. J'ai peu de fioles comme celle-ci. Elle révélera. Très joli d'ailleurs. Je sais pas si c'est toi qui les postes, les photos de la côte de maille. J'ai pas eu le temps de regarder vraiment qui c'est qui les postait, mais il me semble que c'est toi. Au cyanure. J'ai peu d'effets comme celle-ci, mais elle devrait vous assurer de rester assez longtemps en vie pour revenir me voir. Quelque chose d'intéressant. Ça coûte 100 quand même, ou alors ça coûtait 160 et il y a des réductions. Fioles de soins mineurs, les éléments primordiaux. Inclut les recettes permettant de fabriquer des flasques de mana et des fioles de force ordinaire. Ça pourrait être intéressant ça. Je pense que ce sera pour mon prochain achat. Non, mais bypass s'il te plaît, je suis déjà KO moi donc. Je suis déjà en train de plonger plus ou moins. Examiner le puits. Apparemment c'était le puits de la ville. Il n'était pas en bon état et il ne sent pas très bon non plus. Une inspection depuis confirme que l'odeur qui en émane est infecte. D'étranges sons semblent résonner dans les profondeurs du puits.
C'est envie d'aller voir ça. Alors, une machine plate et circulaire repose dans la terre inerte, de la poussière et des saletés sont réparties uniformément sur toute sa surface. Il ne se passe rien. Il y a d'avoir un ennemi là-bas, là en dessous. D'ailleurs, je voulais voir les ennemis et finalement j'ai pas regardé. Les bandits ont trouvé un... Seul problème. Alors, qu'est-ce qu'on a vu de plus? On a vu ça comme... comme ennemi supplémentaire. Ah, oh, comment c'est classe. Avec le petit côté cel-shading, comme ça, avec le contour noir, j'aime beaucoup. Ça passe très très bien. Ben, faudrait que je dorme un peu plus, quoi, parce que là... Là, je galère quand même, à chaque live. 20-30 créatures... J'ai presque les yeux qui pleurent, en fait. 20% ennemis de la forteresse de fer, augmente l'endurance de 1% pour tous les héros, augmente la défense physique de 2% pour tous les héros. Non, prochain débrouillage, nom des compétences. Bête tuer une. Ok. Là on a quoi d'appris? Progrès des connaissances de combat, bête tuer 5, c'est bon. Ben, on a 12 sur 50, 21 sur 100. Allez, on va aller voir au nord. Je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille. Sans la clé, cette porte fermée pourrait tout aussi bien être un mur d'acier plein. Utilisez la clé de la porte. Non, non. Ta-da-da-da-ta-da. Je récupère. Ça, je prends. Là, ça, il y a un chemin qui mène pas plus loin. C'est logique d'en avoir un, hein, mais... Attendez pas à ça. Ah, de la roche. La roche, la roche. Minerai de fer ordinaire de la côte, bah parfait, on va pouvoir commencer à créer des trucs. Est-ce que je peux créer directement là-dedans? Vous avez les matériaux. Quoi? Je m'étire. Sauf que du coup, il faut pas que je le crée ici. Je pensais que je pouvais le faire hors la boutique, mais apparemment non. Tant pis. Il y a 3 crânes quand même. Hein. Est-ce vraiment une bonne idée de faire ça? Mais Ayami tout court, ça suffit pas? Je me rappelle même plus la musique de Fear. J'imagine que la porte est fermée. La porte du pont semble être fermée à clé de l'autre côté. Visible à travers une ouverture dans le bois, une grande tente est dressée parmi les arbres élancés. Des sons faibles proviennent de cette direction. Personne ne remarque votre vacarme. Là, je pense que la porte en bas à gauche peut toujours pas l'ouvrir. Je peux pas monter de niveau, il n'y a pas d'autres lieux à visiter pour l'instant. Cette porte là, j'ai pas réussi à l'ouvrir pour les marées. Donc ça m'étonnerait que ce soit tout de suite, tout de suite. Encore une fois, j'essaie de me balader pour voir s'il n'y a pas des trucs qui apparaissent à droite à gauche. Ou... Ok, village en ruine, il y a des mecs au-dessus. En fait, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment désagréable. Tout le reste, c'est ok. Il n'y a pas d'autres pierres, il n'y a pas d'autres machins. Donc c'est bon, j'avais déjà vraiment tout vu, quoi. Je sais pas si par la suite, je serai amené à découvrir des choses nouvelles dans le décor. Il y a Amazon qui s'amuse à me tenter en m'envoyant des mails genre « Hey, tu sais quoi?
Ça serait cool que tu viennes acheter des posters en toile, enfin des trucs en toile, des toiles Darksiders. Il y a une église là en bas à gauche, apparemment. Voilà, on va quand même aller au nord. On va l'affronter. Bah bien sûr. Punaise. Je suis désolé, je baille. Un jour, j'arriverai à retrouver un rythme correct. Et bon, l'avantage, c'est que plus je suis crevé, plus il y a des chances que je m'endorme facilement. Alors, oh là là, ça sent que je sens que je vais avoir mal avec ce machin. Bon, on va essayer d'abord de tuer la petite chauve-souris, là. Ce sera la première à attaquer. Ah non, ce sera pas la première à attaquer. Attends, on n'arrivera pas à le tuer assez rapidement, je pense. Et voilà, une de moins. Alors que... Ah! Non. Ça, c'est pas trop mal, mais... Quand même. Alors c'est quoi les crânes qui à droite? Il y a des crânes, je vois ça. Ils sont super jolis ces crânes. Vague terminée. Ah, il y a plusieurs vagues d'ennemis, d'accord. J'ai tué un certain... Deuxième vague. Ah, je les aime pas ces machins. Les motivateurs, on va essayer de voir ce que c'est. Je vais reçu un message, mais ça n'a rien à voir. Bah désolé, mais... j'ai un coup de pont. C'est terrible quand ça arrive ça. Action. Attaque rapide. Ouais, ils sont solides quand même ceux-là. Maladie arcane, fragment. Ça pique. Oh, du poison en plus. Oh, tout ce qui déguste lui là-haut. Action. Compétence. Tu vas y tester. Sauf qu'il va attaquer après tout le monde maintenant. Bah ouais, faut que je fasse attention à ça, c'est vrai que c'est embêtant. Ah, vas-y, ça a l'air sympa ça. J'ai envie d'essayer. C'est lui, il a apparu. De toute façon, il aura attaqué quoi qu'il arrive. Pardon, on va mettre à vibrer. Forcément, ça aide pas. Faut que je soigne mon camarade. Alors à toi. On va aller attaquer lui. Joli, 2 KO. 2 KO, nickel. Ensuite, du coup, on a éliminé deux personnes qui étaient en train de jouer, de faire leur tour. Ouais, mais lui, si je fais compétence, vague guérisseuse sur lui. Si, ça va être bon. Quoi qu'il risque de pas avoir le temps. Hein. Je sais pas quel type d'attaque elle lance. On va quand même attaquer. Autant que quand il le combat, ce sera fait comme ça. Faut c'est un Darksiders. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Gulli. Anneau de l'âme en fer de la côte. 450 d'XP quand même. Hein. Ça me plaît. Ces ruines proches de la route ici. Elles ont l'air militaires, ça doit être un des avant-postes de la forteresse de fer. Ce qui veut dire que l'avant-poste est proche. On devrait peut-être aller l'explorer. Ce n'est pas vraiment notre propre première priorité. Mince. C'était pas ça que je pensais.
Oh mais ces illustrations, mais regardez-moi ça, comment c'est beau, que c'est propre. Start, à quoi je pensais? Si je voulais voir les équipements de chacun. L'anneau il fait quoi? Dégâts bonus 16, endurance 6. On va plutôt prendre le... lui. Ah j'ai une nouvelle arme aussi. Dégâts bonus plus 8. Critique plus 12, endurance moins 4. On va regarder ce qu'on a je pense pour l'instant. On va rajouter ça, ce qui fera un peu plus de points de vie déjà. On n'a pas de collier, on n'a pas de babiole. Ce sera un petit peu mieux je pense. On est à 45 minutes de live, de rediffusion sur ce jeu. Va falloir qu'on coupe la rediff. La question c'est, est-ce qu'on passe à du Halo si Bobby est disponible, ou est-ce qu'on attend encore un peu et qu'on refait une session, je sais pas. 2017, c'est fin 2017 le jeu, il est sorti pour être plus précis le 3 octobre 2017. Ah non, on s'en fout pas. Comme je veux, je sais pas, j'hésite. Je vous laisse le choix au pire. Vous pouvez décider. Peut-être que, étant donné la fatigue, je serais peut-être mieux de passer sur du Halo quand même. Je sais pas trop quand est-ce que le jeu sauvegarde là. Continue, sauvegarder votre autonomie principale, c'est bon, ça le fait comme ça. Pour du Halo Reach. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Ah, oh, il y a de la pierre là. Il me semble que je connais cet endroit. Silex. Il y a une gus par ici. Il y a un truc par là-haut apparemment, une statue. Là, il y a une bestiole qui doit attendre avant de récupérer le coffre. On va tuer la bestiole, récupérer celle dans le contenu du coffre, et je pense qu'on va passer à l'Orich. Miam... Miam Té... Ayami? Pourquoi? Il y a mon écouteur qui se croise dans les jambes encore une fois. Allez, on va booter cette bestiole, et après on changera de jeu. Festin... ok. Tiens! Dans tes dents, la bestiole! Laissez-moi récupérer ce qu'il y a dans ce coffre. C'est mon droit, ma bataille, fallait pas qu'il s'en aille. Wow. Non, on va passer du adiolo. Comme je dis, le rythme du jeu, celui-ci est lent. Et fiole de soins mineurs, lingot de fer durci de la côte. Boucle de la forêt. Attendez, on a un nouvel objet d'équipement. Eh mais je l'ai pas mis son anneau, elle. Boucle de la forêt. Ah, je l'ai mis à quelqu'un d'autre. Dégâts bonus 12. Ah, vas-y, tranquille, bon bonhomme. Non mais sérieusement, regardez-moi ça, la classe. Ah, ils sont encore plus jolis en dessin, je trouve, hein, mais franchement, c'est propre. C'est vraiment très joli. Et en plus, ce qui est cool, c'est que son style ne demande pas énormément de polygones, je pense. Même si je peux me tromper. C'est assez grossier dans le style, comme Fable, en fait. C'est pas grossier le mot qui va avec, hein, mais c'est l'impression que ça donne. Non, il les apprécie pas, Bobby. Il a horreur de ça, Bobby. Allez, comme je vous dis, je vais sauvegarder. On est qu'à 3h56 de live, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. On aura fait deux jeux, on aura terminé Halo, on aura fait deux rediffs sur Halo, Fable, et deux rediffs sur Battle Chaser. J'espère que demain je tiendrai un peu plus longtemps quand même. Enfin, un peu plus longtemps, c'est-à-dire de. C'est pas le fait de tenir, c'est le. Que j'arriverai déjà plus tôt. Ce qui fait que. On sera mieux, faut vraiment que j'arrive à me coucher tôt demain. Enfin, aujourd'hui. Bref, c'est pas par là, c'est par là.
On va sauvegarder et retourner au menu principal. J'espère que cette rediffusion, que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Ciao, bisous. Pum 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 p